Sentiment de lassitude. Aujourd'hui, je me rends compte que je n'arriverai jamais à combler l'écart qui se creuse à l'intérieur du journal filmé entre le temps du tournage et celui du montage. Ce creux qui se forme au sein même de l'écriture. Ce sentiment que je n'arriverai jamais à écrire au présent. Que chaque plan filmé m'éloigne un peu plus de l'espoir d'atteindre une forme d'unité narrative qui me permettrait de rassembler ces moi qui se diffractent à l'infini. Le journal filmé est une mécanique infernale qui m'écarte toujours un peu plus de la réalité de l'instant du monde et qui me plonge dans une cruelle disjonction qui m'écartèle. Aujourd'hui, une évidence s'impose. Si je veux tenter de réduire cette faille, ce gouffre béant qui pourrait m'engloutir, si je veux me donner une chance de faire coïncider tous les temps, de retrouver une certaine unicité, de retrouver le sentiment que je ne suis pas un autre, peut-être dois-je arrêter de filmer, ou peut-être pas. Mettre à la place. Ah oui. Arnaud, ça pue. Toi qui as pété. Franchement, encore une fois, t'as fait que ça. Bon fiche. Tu te fais pas chier là, Arnaud là. Tu mâches. Je le fais à chaque fois. Non mais tu m'écrases surtout. C'est pour me taper 6 étages. Je m'empêche, chez la Bénédicte à Paris, ils avaient 6 ou 7 étages sans ascenseur. T'oublies pas là. Hein. Mais c'est Alice aussi, je crois qu'elle a 7 ou 8. Il le sera demain dans les cliniques privées. La nouvelle technique, un test ADN par prise de sang de la femme enceinte, coûte environ 390 euros. Il vise à diminuer, Véronique Julia, le nombre d'amniosynthèses. Pendant longtemps. C'est pas très sécurité. Tiens, j'ai vu quelqu'un. Il est là. Et là, chat. Tu l'écrases sous les roues. Attends. Tu t'arrêtes là?
Moi, je voterai pour ce côté-là. Je vais changer de... Donc... Il y a des gens qui font ça, ils disaient, genre tu exposes ta photo, tu le mets genre quelques minutes au révélateur et après tu la remets et tu réexposes. Et après tu la remets, mais du coup il paraît que c'est galère et genre c'est hyper aléatoire, genre tu peux pas refaire une photo, c'est une seule et unique et c'est marrant.